arrêter les conneries. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel comme vous pouvez voir. On se retrouve avec ce nouveau tutoriel, le coffret de Too Faced Christmas Cookie House Party qui est en édition limitée. Oui les gars, j'étais trop contente de pouvoir retourner une nouvelle vidéo make-up. Ça m'avait trop manqué et enfin je me suis dit allez, j'ai un peu de temps, enfin un petit peu de temps. Dans peu de temps je vais aller chercher mon fils, donc je regarde l'heure parce que je suis un peu à la bourre, il est 10h58. Mais juste après vous allez pouvoir suivre ce tuto. Je suis trop contente parce que c'était une collection que je voulais vraiment tester et je trouvais que le coffret était vraiment avantageux pour le prix 59,90 avec tout ce qu'il y avait dedans. Et comme les fêtes arrivent, on cherche des idées cadeaux et je me suis dit allez pourquoi pas, et puis même j'avais envie de tester les make-up, ça me manquait. Donc à l'intérieur vous avez, je vous montre tout de suite, cette palette comme ceci qui est tout aimantée, c'est trop mignon, j'adore, avec une palette 20 fards, avec une petite palette de contouring et puis une autre petite palette de fards, et je suis trop contente. La collection de Too Faced est juste magnifique, franchement les packaging me font toujours autant rêver. Eh ben écoutez, je pense qu'on va pas trop blablater, on va tout de suite partir pour ce tutoriel. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop prononcé, je suis vraiment partie sur quelque chose de soft. Oui, comme vous pouvez voir, ça me change, ce rouge à lèvres, le gingerbread man qui est magnifique, ça, le pain d'épices, ils sont trop trop bons. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et ben on est parti les amis pour ce tuto. Comme chaque matin, hydrater votre peau c'est super important. Je vous le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que le fait d'hydrater votre peau, vous aurez un joli maquillage, votre peau sera encore plus belle, vous aurez encore plus d'éclat. Et même c'est indispensable. Enfin bref, moi ce matin j'ai utilisé le gel hydratant Origins. J'adore cette crème, je vous la recommande. C'est une crème qui vous permet d'hydrater, donner ce côté booster à la peau. Elle fait trop trop son job. Je l'adore cette crème, je trouve que ça fait deux fois que je la rachète. J'ai déjà bien utilisé. Oh, mais elle sent tellement bon. C'est une odeur, vous savez, multivitaminée, une odeur frais dès le matin, une odeur de fruits, j'aime trop. Donc ça, vous pouvez l'appliquer matin et soir. Moi, je l'applique le matin parce que le soir, j'utilise quelque chose un petit peu plus fort. Bien sûr, c'est des crèmes anti-âge. Et ensuite, j'ai utilisé pour mon contour des yeux. Ça, c'est une crème que Belif m'avait envoyée. Je l'adore, qui s'appelle la Ice Bomb. Ça se présente comme ça. Si vous ne connaissez pas les produits de chez Belif, je vous invite vraiment à aller tester leurs produits, notamment la Aqua Bomb, qui est une crème hydratante, fraîche, une texture hyper agréable. J'étais allée à leur event et j'avais adoré. Donc, en ce moment, j'utilise ça pour le matin, pour le contour des yeux. Et le soir, je m'utilise une autre. Voilà, en tout cas, faites vos soins les amis, c'est super important. Bon, alors si jamais, peut-être qu'à la caméra, je paraîtrais peut-être un peu blanche, mais c'est pas du tout le cas. Parce que des fois, vous me dites, ah, mais ça paraît blanc au niveau du make-up ou quoi. Non, mais des fois, avec les éclairages, je vous assure, ça n'a rien à voir en vrai. Aujourd'hui, je porte le MAC, le Sculpt en fond de teint. Il est trop, trop bien. Je suis en train de tester tous les fonds de teint de chez MAC, comme ça je pourrais vous en parler. En tout cas, c'est vraiment des bests. Et celui-ci, il est génial. J'ai mis très peu de matière. C'est un fond de teint qui m'apporte aussi de la lumière. J'ai mis un petit peu de glow. Et j'ai également mis mon anti-cerne. J'ai mis le Tarte, mais je vais changer. Je pense que je vais prendre le Prolongwear de chez MAC. Du reste, il faut que je retourne pour la teinte. Mais voilà, jamais j'ai fait mon teint. Il n'y a pas de blush, il n'y a pas de bronzer, tout ça. C'est pour ça qu'on va venir mettre tout ça. Parce que là, je suis un petit peu blanche, vous voyez. Donc on va venir réchauffer son teint. Et là, sur les lèvres, j'ai un baume à lèvres. Je n'ai pas de rouge à lèvres. Je n'ai rien du tout. J'ai toujours ma micro au niveau de mes sourcils. Elle est juste encore trop bien. Je l'ai faite quand cet été. Je vais pas tarder à aller la refaire bientôt. Mais elle est encore super bien. Donc j'ai rien mis dessus, j'ai pas mis de crayon. Elle est comme elle est. Bon, let's go, c'est parti. Alors, ouais, je pense qu'on est pas mal. Je viens bien mettre ma matière. Je vais pas venir en remettre là, mais ça suffit. Je sais pas comment ça rendra la caméra. En tout cas, moi, j'ai assez de bronzer. Et je serai jolie ce bronzer. Super joli, attendez. J'adore Noël, je sais pas vous, mais c'est une période que j'adore. Franchement, j'adore faire les petits cadeaux, offrir le chocolat et tout ça. C'est un truc que je kiffe. Ensuite, on va mettre le blush qui est le Daydreamer, qui est juste ici, les amis. Je sais pas comment il est, mais je pense qu'il doit être pigmenté. C'est un rose, mais très doux. Franchement, très très doux, subtil. Donc, ça ira très bien. Ah oui, il est très joli. J'aime beaucoup. C'est vrai que le blush, tout de suite, ça t'apporte, c'est fait bonne mine. Les personnes qui n'aiment pas tellement se maquiller, qui n'ont pas envie de mettre du fond de teint, du bronzer et tout, vous mettez simplement une bébé crème ou même un blush. Tout de suite, ça va rehausser votre teint. Franchement, il y a tellement de belles couleurs en blush. Voilà. On met la lighter maintenant ou après? Après. Après.
Donc on va passer à la palette. Alors, je pense qu'à la caméra, le bronzer est accentué parce que je voulais vraiment voir la pigmentation du bronzer. Donc je pense que vous la voyez bien. Mais en tout cas, moi, là, comment je me regarde, ça va très bien. Bon, bref, on commence la palette. J'ai trop hâte. Par contre, je sais pas ce que je vais faire. Mais je vais faire un truc simple parce que... Comment vous dire que j'ai pas le choix. Alors je vais prendre un petit pinceau fluffy. Par contre c'est dommage, il n'y a pas de miroir là. J'aurais bien voulu un petit miroir parce que là il faut que je prenne mon miroir, que je tienne ça en même temps. La galère. Alors on va commencer par la teinte. Oh j'en sais rien. Vous savez quoi, je sais pas quoi faire. Le Hot Snap qui a l'air pas mal. Fais voir la teinte. Oh il est beau celui-là. On va commencer par la teinte What a Batch qui est juste ici. Notre fard de transition. Pas trop en mettre. Et on va faire le creux de paupière les amis. Donc on va faire des va-et-vient. Comme ceci, sans trop appuyer sur votre paupière, bien sûr. Des coups très légers pour pouvoir déposer votre matière délicatement. Quitte à reprendre de la matière si vous avez besoin, je prends jamais trop au départ pour ne pas avoir ce paquet tout de suite qui n'est pas joli. Par contre, les fards, on en parle ou pas? Hyper pigmenté. De dingue, j'aurais pas pensé que cette couleur soit aussi intense quand je la vois comme ça dans la palette. Oh my god, c'est trop joli cette teinte. J'adore ces couleurs. Et je pense qu'on va en mettre aussi un peu sur la paupière mobile. Très jolie couleur, franchement. J'en reprends un peu parce que je vois que j'ai un peu plus de matière de ce côté-là. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup parce que là, le fard est bien pigmenté. Là, je viens bien en mettre là dans le coin de l'œil pour que j'ai bien de la matière là. Voilà. Trop belle cette couleur, j'aime trop. J'essaye de ne pas monter trop parce qu'il n'y a pas besoin. Du reste, là, je suis montée un peu trop haut. Voilà. Oh, la teinte, elle est trop belle, les amis. What a batch. J'aime trop cette teinte. Franchement, c'est super joli. Ensuite, est-ce que je prends la Hot Snap? Je pense que oui. Et je pense que je vais vraiment faire le Cina Magique. Il est pas mal. Oh, il a l'air hyper crémeux. Oh, il est trop beau, le Cina Magique. Alors, attendez. Ah, il y a aussi le Easy Bake Loving. Mais non, on va faire celui-ci. Je vais prendre la teinte Hot Snap, qui est une teinte un peu plus foncée. Est-ce que je la mets tout de suite ou je commence par mon irisé peut-être? Je vais commencer par la Hot Snap. Allez, c'est parti. Je vais travailler encore mon creux de paupière, les amis. On fait un tuto très simple. Hein. Comment vous dire que je ne fais pas le truc compliqué? Et pareil, vous voyez, oh, la teinte, elle est pigmentée. Ah, j'ai bien fait de ne pas en prendre beaucoup. Oh, j'adore cette teinte. Les fards s'estompent très, très bien. Easy, franchement, les amis, les fards, c'est un bonheur. Ça glisse sur la paupière. Et ça, par contre, j'apprécie. Quand vous avez des fards qui se travaillent très bien ou quoi, ça c'est un bonheur. Parce que quand tu galères avec certains fards, bah, c'est pas tellement agréable, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai mis très peu de matière, mais vraiment très très peu de matière sur mon pinceau. Là je vais en reprendre parce que je vois que j'en ai pas pris assez, quitte à tapoter comme ça. Mais bon, on s'en fiche, c'est un tuto, on peut venir vraiment accentuer. Y a pas, c'est pas un souci, j'adore cette teinte. Cette teinte là, je pense que je vais aussi venir en mettre dans le coin. Elle est magnifique, je reviens bien estomper là. Je recommence mes va-et-vient là, hop. Je pense qu'après je vais prendre une autre teinte les amis, mais on va venir mettre la teinte irisée. Donc là on est pas mal, je pense qu'on va faire le fard, le Cina Magique. Oh, qui est absolument magnifique, je vais vous le swatcher quand même parce qu'il est quand même trop trop beau. Tellement crémeux les amis, est-ce que je peux le mettre là ou est-ce que vous voyez? Je vous le mets là, gardez-moi la pigmentation de ce fard. Je pense que je vais mettre celui-là, c'est même sûr. Et je pense que dans le coin, je vais mettre le Secret Santa, qui est absolument sublime, qui est un marron un peu plus prononcé. Ah ouais, c'est un beau marron. Et je vais le mettre dans le coin, c'est obligé. Je vais travailler ces deux fards-là. J'espère que vous voyez bien. J'adore la texture des fards. Franchement, je suis réellement surprise. Enfin, réellement surprise. Je connais les fards de chez Too Faced, donc je sais que généralement je suis jamais déçue des fards de chez Too Faced. Il m'est arrivé d'avoir des palettes chez Too Faced où vraiment il y avait des fards qui n'étaient pas pigmentés. Ça m'est arrivé dans certaines palettes, mais pas toutes. Hein. Mais les petites palettes, mais elles sont, je crois que c'était le chocolat, je sais plus, le chocolat de bar, mais les toutes petites, il n'y avait pas de pigmentation. Il faut que je prenne un fard plat, les amis, pour appliquer ma matière. Donc, on va prendre la teinte Cina Magique, qui a l'air super pigmentée. Et ensuite, je viendrai mettre l'autre teinte. Mais on va déjà venir l'appliquer là. Oh là là, j'aime trop. Elle est trop belle. Ça, c'est du fard paillette. Donc je viens bien en mettre aussi là dans le coin, pas oublier. La texture est tellement agréable. Ça glisse sur ma paupière, les amis. Tellement crémeux. Je viens faire l'autre paupière. C'est trop beau cette teinte. C'est mes teintes, hein. C'est les teintes que j'aime utiliser de toute façon, hein. Je vais remettre un petit peu là, vraiment, pour bien vous mettre à ras du cil pour votre matière.
Vraiment. Voilà, on reviendra, je pense, en reprendre après. On va prendre un autre pinceau plus précis. Je prends mon pot à pinceau, s'il te plaît. Il faut que je lave mes pinceaux. Je pense que c'est toujours la galère pour nettoyer les pinceaux. Je ne sais pas vous, mais tout le temps, t'es à nettoyer tes pinceaux. C'est pour ça qu'on tourne avec plein de pinceaux. Mince, qu'est-ce qui est tombé? Hop. Alors, je vais prendre la teinte Secret Santa que je vous avais montré sur mon bras. Je vais pas en prendre beaucoup parce que vu que les fards sont très pigmentés, on va y aller mollo. Et ensuite, je vais dire mettre ma matière ici. Ah oui, c'est pigmenté. C'est pigmenté de dingue. Et je viens juste me mettre dans le coin. Je vais pas aller plus loin. C'est juste pour intensifier le regard. C'est super joli. Elle est belle cette teinte. La teinte, elle est très très belle. Franchement, je viens pas en mettre beaucoup, vous voyez. De toute façon, je viendrai remettre de la matière. Je vais en mettre l'autre côté. Bon, on est pas mal au niveau des fards. Ils sont trop bons. Pour apporter de la lumière, pour mes petits points de lumière, je vais prendre le fard. Enfin, je vais prendre la lighter qui est juste ici. La petite palette qui est le Get Frosted. Et je vais en mettre en dessous de mon sourcil. Ouais, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Vous voyez, ça apporte un petit coin de lumière. Il est joli, ce lighter. J'ai hâte de l'essayer sur... Je vais pareil en venir mettre là, en coin de l'œil. Ici. Hyper joli. La lighter, on va le mettre juste après. Je reprends ma palette pour venir mettre... Oh, pour venir faire le rat de cils. Le rat de cils, je vais reprendre, je pense, le Hot Snap. Ou le What... Je vais reprendre le Hot Snap direct. Et je vais bien rester à ras. Et bien relié avec mon fard d'en haut. Voilà, qu'il n'y ait pas ce petit trou dans le fard du dessus. Elle est vraiment, mais très, très, très jolie, quoi. Ça va être ma palette du moment, je pense. Je vais prendre un peu de sang de Secret Santa pour intensifier. Je mets juste là. Je ne vais pas jusqu'au bout, je vais juste venir là, dans le coin. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais juste intensifier là, dans le coin, ici. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, avant de passer au liner que je viendrai faire hors caméra, je pense. Ensuite, on va venir mettre la lighter directement, le Get Frosted. Franchement, on va venir mettre la lighter. Je vais prendre un petit pinceau comme ça en éventail. Et je vais prendre ma matière. J'espère qu'il est très beau. Moi, j'adore la lighter. J'en mangerai. Alors, attendez. Ah oui, il est super joli. Oh, j'aime trop la couleur. Il est subtil. Pigmenté comme il faut. Au top. Il est pigmenté, bon, pas de ouf non plus, mais quelqu'un qui veut un highlighter qui reste discret et que vous pouvez le moduler comme vous avez envie, c'est parfait. Il y a eu plus pigmenté, mais il me va bien. Franchement, et je trouve qu'il est quand même pas mal, vous voyez. La teinte est très jolie. J'en mets un petit peu là. Un petit peu sur le bout du nez, sur mes lèvres. Écoutez, on a l'air pas mal. Mais il reste subtil, voilà. C'est pas la lighter de ouh, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la lighter qui se voit à 1000 km. Bon, on a fini au niveau des yeux et au niveau du teint. Par contre, là, hors caméra, je vais aller mettre mon liner et mes fossiles. Parce que c'est vrai que je manque de temps aujourd'hui. Donc, je reviens tout de suite. Voilà les amis, je suis revenue avec mes fossiles et le liner. Désolée, j'ai fait ça hors caméra parce que j'ai pas beaucoup de temps, comme je vous disais. Si jamais les fossiles, vous étiez nombreux à me demander, je crois, sur Instagram... C'est Elodie qui me l'a ramené de sa boutique, qui sont les Gilash. C'est une tuerie, j'ai mis ceux-là, qui sont les Winter Kiss 3D Extra Volume. J'aime bien l'effet qu'ils ont. Pour tous les jours, ça ne me dérange pas. Ils sont un peu longs, mais ils restent naturels. J'aime beaucoup l'effet qu'ils ont et j'adore les fards de la palette. Il nous manque le lipstick, donc c'est parti. On va mettre le Ginger... Ah ! Il m'a échappé. On va mettre le Ginger Man. Je vais enlever le gloss que j'ai sur les lèvres et je vais prendre un pinceau pour mettre mon rouge à lèvres. Oui, je sais, je vais prendre un pinceau pour vraiment bien faire mon contour de lèvres sans prendre de crayon. Je prends mon petit stick comme ça de chez MAC, qui est une prep prime qui vous permet de lisser vos lèvres et également de faire tenir votre rouge à lèvres. Il est trop bien ce produit, j'assure, il est trop trop bien, j'adore ce produit. Donc j'en mets là, c'est vraiment bien. Le prep prime de chez MAC, c'est une tuerie ça. Voilà, ça vous permet vraiment de lisser, de préparer vos lèvres. Et je vais prendre... Le ginger, il est trop beau. On est parti pour le rouge à lèvres, les amis. Je me concentre en mode concentration, s'il te plaît. Oh, la couleur, elle est trop belle. Et je vais venir faire mon tracé. Hop. Et ben voilà, pour le rouge à lèvres, il est juste trop beau, tellement agréable. Il sent tellement bon le pain d'épices. Pour le coup, ouais, il sent vraiment le pain d'épices, quoi. Trop, trop bien, en petite miniature comme ça. C'est vrai que c'est pas des teintes que j'ai l'habitude de porter, mais de plus en plus, j'ai envie de porter du foncé sur mes lèvres.
enfin du foncé, je m'entends, mais plus accentué que le nude. Et honnêtement, c'est une très belle couleur qui va parfaitement avec les teintes qu'on a fait sur les yeux. Comme vous avez pu voir, on a fait quelque chose de très très simple, mais c'était vraiment pour tester cette palette. Alors moi, ce que je peux vous dire honnêtement sur le coffret Christmas Cookie, donc voilà pour le coffret Christmas Cookie House Party. Comme on arrive Noël, vous avez envie d'idées de cadeaux, franchement n'hésitez pas. 59,90€. Honnêtement, je trouve que c'est rentable parce que vous avez la palette pour les fards, vous avez la petite palette de contouring, une autre petite palette à l'intérieur. Nous avons également le Better Than 16 qui est juste excellent en mascara. Ils nous ont remis Gingerbread Man, le lipstick que je porte aujourd'hui, que je trouve magnifique. Et également la base à paupières qui est indispensable pour faire vos fards. Franchement, je suis agréablement surprise du coffret, je ne regrette pas du tout, c'est ma sœur qui me l'avait envoyé. Et je trouve juste magnifique, c'est vraiment une palette où vous pouvez vous éclater à vous faire des looks et de jour et de soirée. Je n'ai pas tout testé les fards de la palette, mais je vais m'empresser de tout tester. Mais je trouve vraiment que les fards sont juste au top. Bien sûr, il y a des couleurs que je pense que je vais retrouver dans certaines palettes, comme toutes les palettes qui peuvent nous sortir. Mais moi, ça ne me dérange pas, honnêtement. Je voulais vraiment tester avec vous la House Party et j'en suis très contente parce que les fards sont juste excellents, excellente qualité. Et en plus, ils sentent bon. Donc voilà pour ce tutoriel, en tout cas ça m'a fait hyper plaisir. Et voilà les amis pour ce tutoriel, si vous avez aimé n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, c'est juste là en dessous. Et si vous voulez suivre toutes mes aventures n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, il y a de la bonne humeur, c'est juste là. Et juste en bas, en barre d'infos, vous avez juste à cliquer. Et également, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche là ou là pour les notifications. C'est super important parce qu'à des fois, vous ne recevez pas les notifications. Comme ça, vous pouvez suivre toutes mes vidéos et mes aventures. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous !